Tranquille. Tranquillement, voilà. Et je suis pas content. C'est vos mères. Comme d'hab. Hein. Yo Speedred, ça va bien ou quoi? Me fait kiffer. Ah, il y a aussi. Voilà, je vais faire un petit peu de me dis peut-être dans un malentendu, peut-être qu'on fera un raid dans un malentendu. Juste, je vais tester des trucs. Ok. Alors, je vais tester un filtre. L'eau, je vais mettre 4. Je vais mettre 4. Je vais descendre de 2. Et je vais mettre 10. Ok. Ok. Wouh! 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 Je vais garder ça. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Je vais juste baisser un peu le dynamique. Je vais le mettre à 10. Et je vais le mettre en live. 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 Oh. En live camp. Donc là, je vous dis juste les paramètres que je mets sur la main loop. T'as vu, là, ça ressort bien. C'est propre.
parti. Allez, tout le monde clap des mains dans le chat. On clap. On clap. C'est classique, hein. C'est classique, c'est le premier vrai son que j'ai fait en loop. Donc à chaque fois que je fais de la loop, je le recommence. Je le fais toujours pour pas l'oublier. C'est le classique. Là, je vais faire un nouveau morceau. Par contre, je vais garder cette compo parce que j'aime bien. Là, j'ai une belle compo. Par contre, il y a une putain de mouche là. Du coup, j'ai un nouveau truc. Je vais peut-être travailler un truc encore nouveau après. Yo Toto, ça va bien ou quoi? J'espère que ça va bien, Toto. Alors ça c'est une nouvelle compo, il y a pas mal d'abonnés qui l'ont pas entendu celle-là. Je vais vous la faire écouter. Thank you.
Ça, c'est stylé. C'est le dernier morceau que j'écris là, j'aime bien. Sinon, tu utilises une boîte à rip ou une... Non, en fait, j'utilise une Loopstation. C'est un truc spécialement pour les beatboxers. Enfin... Ben, j'ai pas de table de mixage, moi j'ai vraiment une Loopstation. Donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne B-Boy Block, mais j'ai pas de table de mixage. Mais c'est quand j'aurai de l'argent, ouais, j'aimerais bien me prendre une table de mixage. Un de ces quatre. On va se faire un petit le troisième morceau que j'ai parce que j'ai pas énormément de morceaux, j'en ai que trois. Bah après ici j'ai plein de morceaux enregistrés dans ma loupe mais c'est des morceaux de merde. Donc on va se faire le troisième morceau que je fais entre guillemets bien. Donc la tribu de Dana. Celui-là, j'avais fait un rip, mais putain, il est vraiment pas facile ce rip de hitbox. Ok, alors juste, je vais mettre ça à 4. Je vais mettre ça à moins 2. Moins 2. Et ça à 10. Peut-être même le mettre à moins 4. Ok. Là, on a un reverb. Ok. Je fais juste les tests pour voir si ça le fait. Se sont imposés en maître, c'est l'heure maintenant de défendre nos terres contre une armée de sirènes, un
causer le fer. Toute la tribu réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Après cette prière avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il n'y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois que pour moi je pars au combat. Et geste maître du Din de la tribu de Dana. De la tribu de Dana. De la tribu de Dana. On va essayer le deuxième couplet, mais j'ai jamais la tribu de Dana. On va essayer le deuxième. Oh merde! J'essaye le deuxième couplet. J'ai jamais fait le deuxième couplet. On essaye. Ok. Après quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu en levait en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible et je ne voyais que des ombres, touchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mais faire tourner l'un après l'autre devant mon regard, sous le poids des âmes que possédaient tous ces barbares, des lances, des haches, des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulaient du sang sur le verdun de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne et de la haine. Va-t-il connaître ce qu'on va déjà faire? Oh, c'est chaud. Je connais pas du tout le deuxième couplet en fait. Yo Mika, ça va bien ou quoi? Alors attends Mika, on réessaye le deuxième couplet juste pour toi. Ok. Après quelques incantations de druides et de magie, toute la tribu le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible et je ne voyais que des ombres, touchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sous le poids des armes que possédaient tous ces barbares, des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait le sang envers de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait qu'il continue ce combat déjà perdu, mais telle était la fierté de tout de la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre les terres de nos ancêtres en Trérela et pour toutes les lois de la tribu de Dana. De la tribu de Dana. Elle est bien celle-là. Et elle était bien de ouf. Ça c'est parce que Mika il était là. Mika il m'a donné la force. Ça va bien ou quoi sinon Mika? Je viens de voir que tu m'as dit que t'as eu la filiation. Franchement je suis super content pour toi frérot. Je suis super content pour toi. Et j'espère en tout cas que tu continues les streams Twitch et que ça se passe bien. Tiens, puisque Mika est là, on... Oh putain, il y a Pixie. Oh, j'ai trop envie de raid Pixie. Je suis super content. Putain, 100 followers, Mika, stylé. J'espère en tout cas que tu continues les streams Twitch. Putain, Mika, il a les 100 followers. Eh, hey, je suis fier de toi, mon gars, c'est un truc de ouf. Je suis trop fier. Je devrais pas être fier, parce que c'est pas ma réussite. Mais je suis vraiment trop fier. Attends, Mika, je vais te faire kiffer. Je vais faire kiffer Mika.
J'aime bien mettre Mika en PLS, putain, j'aimerais bien Red Pixie. Il y a beaucoup trop de personnes sur son chat, elle déconne. Elle déconne. J'ai trop envie de la raid, je suis deg. Putain, si on était des milliers, on l'aurait raid salement. Mika, t'es prêt? Ouais, c'est bloc, ma gueule. Ouais, c'est bloc. Avec le studio son. C'est pour Mika, mon pote. Encore une fois pour le frérot. Dédicacé à les aveux. Putain, les gars, on est trop chaud. Ok, yeah. Avec Mika le frérot. Avec Mika le frérot. On va pécho. En rapport de vous. Avec Mika mon frérot. Avec Mika mon frérot. Ouais les gars, j'suis là. J'suis parti en impro. J'vais vous dédicacer une chanson romancée. J'peux le faire comme ça toute la journée, ne t'inquiète pas. Je suis un vrai enfoiré. C'est pour toi Mika, c'est pour te faire kiffer. Un son dédicacé, un son pour tous les frérots. Je peux le faire en impro toute la journée. Mon poteau dédicace à Mika. Oui c'est mon bro. Je sais pas comment je fais pour rapper sur ce son, mais t'inquiète même pas, on y va à l'unisson. J'ai plein de motivation, peut-être même de détermination. Je m'arrêterai jamais en impro tous mes potos. Yeah, tous les jours je le fais. Tous les jours je le fais. Dans le chat tu peux chanter. Ah, je suis chaud, ouais. Dans le chat tu peux chanter. On va pécho. Mika mon frérot. Avec Mika mon frérot. Pour tous les Michelins. Dédicace au poteau. Pour plus le frérot. Et Mika le poteau. J'étais reparti pour un deuxième couplet. Je crois que t'étais pas prêt. Je vais le dédicacer à Pikachu. Elle est trop chouette, elle est vraiment trop belle. Je le dédicace aussi à Mirabelle. N'oublie pas Pixie, on s'est pris un râteau. Je pense qu'on va continuer comme ça toute la journée. Mais comment faire? Je vois Lucifer loin de ma terre. Je me retrouve en l'enfer. C'est pour toi Mika, je suis trop fier de toi. Les 100 follow, ils sont pour toi mon frérot. Ne t'inquiète pas, t'as l'affiliation. On est motivé, ne t'inquiète pas. Tous les deux on va percer. On s'arrêtera jamais, on va continuer. Je vais rapper comme ça toute la journée improvisée. On s'arrêtera jamais Mika mon frérot. Ne t'inquiète pas le million. Un jour on l'aura mon poteau. On s'arrêtera pas. On va monter comme ça. Je le dédicace à Mega, aussi au Wakanda. Forever Chala, jamais je m'arrêterai, ne t'inquiète pas.